Winston, venez voir. Tous les biologistes vous diront que nous avons découvert toutes les créatures vivantes de la planète. Que nous n'aurons plus de surprises. Enfin, si on ne parle pas des insectes. Pourtant, c'est faux. Il y a encore des créatures qui vivent aux confins de nos pays. Des créatures qui sont restées cachées depuis des siècles. Et tout est sur le point de changer. Travis, viens par ici. Qu'est-ce que c'est? Un grizzly? Non, un Ursus Arcos. Un ours brun. Il a été tué il y a peu de temps. Allez, au travail. Harker, qu'est-ce que vous faites? J'ai l'air de faire quoi, Docteur Preston? On est une équipe de scientifiques. On fait pas une partie de chasse. Simple protection. Ouais, j'espère bien. Cathy, regarde ça. Elle est deux fois plus grosse. Ce qui veut dire que l'attaquant était forcément deux fois plus gros. C'est fou, j'en reviens pas. J'ai trouvé deux empreintes, de 38 par 26 cm. Il va battre le Bigfoot à plate couture. Il doit faire dans les 140 kilos avec un tronc de plus de 2 mètres. Donc s'il tient debout, il doit mesurer 3 ou 4 mètres. Il serait plus grand que l'ours polaire et plus que le Kodiak, c'est incroyable. Il est plus grand que tout ce qu'on a jamais découvert. J'espère que vous avez raison, Travis. Ça ferait un sacré trophée, vous trouvez pas? Brandon! Brandon! Послушай, нужно уходить отсюда. Скажи своим, здесь опасно. Écoutez, Vadim veut qu'on parte tout de suite. Oui, non, il faut qu'on parte avant la nuit. 8 chasseurs ont déjà été tués cette saison. Attendez, on n'ira nulle part. Quoi? On est à deux doigts de prouver au monde qu'un ours préhistorique vit encore sur Terre. Oui, Harker est à deux doigts de le faire disparaître de la surface de la Terre. Brandon, je t'en supplie. Il faut pas qu'on reste ici. Tu dois réussir à convaincre tes amis de partir. Tu m'entends? Va leur parler. Moi, je veux pas rester ici. Il faut qu'on s'en aille. Pourquoi il a si peur? T'as déjà vu un Kodiak mutiler quelqu'un? Ils ont une force de morsure de plus de 800 kilos de pression. Imagine que sa mâchoire s'abatte brutalement sur ta tête. Ses incisives écrasant ton crâne comme si de rien n'était. Et je te parle d'un ours normal. T'as vu la griffe que Travis a retirée de la carcasse? Surtout ne cours pas. Les ours adorent voir leur proie s'enfuir en courant. Ils aiment sentir la peur. Et toi, tu schlingues. Ça bouge. Non, reste. Ça se rapproche, c'est tout près. Cathy. Tu devrais voir quelque chose. Oh. Anesthésier une bonne fois pour toutes. Ah.
dessus. Dépêche-toi, tire. Scott, pousse-toi. Scott, viens par là. Hé hey. Recule. Hé hey. Scott. Viens, dépêche-toi. Scott, attention. Non. Non, non. Scott. 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 Est-ce que tu m'entends? Il est mort, Travis. Oui, entrez. Docteur Travis Preston. C'est ce qui est écrit sur la porte. En fait, il est écrit Service médico-technique Nord, sans issue. Que puis-je pour vous? Doug McConnell, avocat. Vous êtes devenu plus difficile à trouver que les créatures que vous chassez. Mes clients désiraient... Faites donc demi-tour et dites à Harker qu'il neigera en enfer avant que je ne réponde à ses accusations stupides et qu'on se retrouve au tribunal. J'ai bien peur de ne pas représenter Jim Harker. Vraiment? Non. Désolé. J'ai entendu avocat et je me suis préparé au pire. Ce n'est rien. J'ai plutôt l'habitude. Non, mon client est de ces hommes qui admirent votre ambition. Qui est votre client? Il a suivi vos tentatives pour prouver l'existence du célèbre tigre de Tasmanie, le requin d'eau douce de Bornéo. Eh bien, il a raison, ce n'était rien que ça. Des tentatives. Docteur Preston, si je viens vous voir aujourd'hui, c'est que j'ai plusieurs vidéos qui pourraient vous intéresser. Écoutez, j'apprécie que vous soyez passé me voir, mais j'ai vu assez d'images floues pour le restant de ma vie. Je vous dirai simplement s'il s'agit d'un castor ou d'une bûche. Laissez-moi vous expliquer. Le projet Kangyon pour l'eau est une importante initiative chinoise. Mon client aimerait beaucoup s'octroyer vos services. Je suis cryptozoologue, monsieur McConnell, pas hydrologue. Sans oublier que je ne vais plus sur le terrain, mon équipe n'est plus là. Docteur Preston, je sais que votre dernière expédition s'est assez mal terminée. Ça suffit. Je crois que nous avons terminé. Oh, c'est vraiment impressionnant. Ces chaussures sont très nettes. Attendez. Mon client a des ressources conséquentes et de l'influence. Croyez-moi, vous pourriez dire adieu à tous vos problèmes judiciaires. Vous le saurez très vite. Ah, le voilà. Bonjour. Bonjour, Doug. Prêt à aller sur le terrain, est-ce que je vois? Je vous attendais avec impatience. Voici Katie Langley, biologiste marine, et Brandon Huard, craque en tout genre et aussi cuisinier. Bonjour. Je vous présente Doug McConnell, un avocat avec Bonjour, des principes. Waouh, à peine 30 minutes en Chine et on trouve déjà une espèce menacée. Oh, désolé, voici Baishi. Elle nous a été gentiment recommandée par le service de protection de l'environnement. Elle sera notre guide interprète. Ravi de faire votre connaissance. Salut. Salut. On y va? On est parti. Pas de problème. D'accord. Voilà la voiture. Le matériel est arrivé? Tout est là. Pierre, ça vous ennuie si je conduis? Vous avez un permis de conduire international? Oh, je ne pars jamais sans deux. Les pipelines parcourent déjà plus de 400 km. Leur tracé a été méticuleusement pensé pour minimiser tout risque pour la faune et la flore. Pourtant, ce projet a soulevé beaucoup d'inquiétudes. Oui, c'est très souvent le cas. C'est magnifique. Ça fait quoi, un kilomètre de large? Oui, on a une surface de 55 hectares. Hier, on a eu une nouvelle disparition. Du coup, tous les ouvriers ont peur. Alors, on ne sait pas s'il s'agit d'une fugue ou bien... C'est super, hein? Oh non, ne me dites pas qu'il n'y a aucun réseau. J'en avais hier. Oh, j'ai déjà installé le campement. Enfin, j'ai monté quelques tentes, c'est tout.
C'est pas vraiment mon truc. Non, mais... non, c'est super. Vous nous faites visiter les lieux maintenant? Vous voulez y aller maintenant? Je crois qu'il vaudrait peut-être mieux y aller demain. Pourquoi ça? Eh bien, il y a encore quelques petites choses administratives à régler. Rien de grave. On attend encore quelques autorisations. Vous savez, la paperasse. Merci. Ah, voilà. Oh. Merci beaucoup. Wuhan. Il s'appelle Wuhan. Oh, Cathy. Oui. Si ces images sont bien réelles et que cette créature est ici, ça bouleverserait le réseau trophique de la chaîne alimentaire. Il y a d'abondantes réserves de nourriture, aucun prédateur à la ronde. S'il est bien là, c'est pas rien. Ce serait le secret le mieux gardé de l'histoire. Tout le monde ne rêve pas de voir des bus remplis de touristes se balader dans sa propriété pour tenter d'avoir des photos du dernier monstre à la mode. Merci d'être venue, Cathy. J'avoue que j'ai été un peu surprise par ton appel. Ça faisait des mois que je te cherchais. J'ai même pensé à t'attaquer pour que tu te manifestes. Scott est mort, mais c'était pas ta faute. Tu le sais, n'est-ce pas? C'était qu'un gamin. Vous avez rendez-vous? Dites-lui qu'on vient déposer un rapport. Arrêtez-vous! Qui êtes-vous? On arrive de Kangyan. Qui êtes-vous? Personne ne nous a prévenu de votre visite. On a entendu parler du dernier accident. Nous devons faire notre enquête sur le site. Vous avez entendu quoi? On nous a dit qu'une espèce d'animal s'est évanouie dans la nature. Écoutez, l'important, c'est qu'on travaille ensemble. Vous êtes avec Jim Harker? Harker? Ah, oh, je vous reconnais. Docteur Preston. J'ai lu tous vos papiers et votre bouquin. Oh, je savais pas que j'avais autant de fans de par le monde. C'est quoi votre nom, déjà? Tiens, j'ai peur que vous n'arriviez trop tard, Docteur Preston. Tout est déjà en place, vous n'avez rien à faire ici. Content de vous voir aussi, Jim. Mademoiselle Zeng, prévenez l'ensemble du personnel. Le docteur Preston ne doit plus remettre les pieds sur le site, compris? Cet homme est dangereux. Il représente une menace. J'espère que tout est dans la boîte. Ça vaut aussi pour vous, Doug. J'ignore comment vous avez réussi à vous démêler aussi facilement de toutes ces poursuites. Mais ici, sur le terrain, on n'a pas d'avocat pour résoudre nos problèmes. C'est pas une réserve naturelle, Harker. Vraiment? Ma nouvelle cage est arrivée, elle te plaît? Harker est ici. Quoi?
Ouais, apparemment, elle a offert ses services gratuitement. Il a promis de régler le problème pour les autorités. Il vient pour tuer cet animal. J'aurais sûrement dû vous en parler plus tôt, mais honnêtement, je n'en voyais vraiment pas l'intérêt. Oui, c'est vrai, il a raison, qu'est-ce que ça change? Si Harker a réussi à s'imposer fermement ici, alors qu'est-ce qu'on fait là, Doug? C'est n'importe quoi. Nous voulons tous trouver cette créature, et mon client a pensé que vous étiez la meilleure équipe pour ce job. Harker a sa propre équipe sur le site. Il a accès au lieu des tueries, aux traces. Il a la main sur toutes les preuves. On ferait mieux de tout remballer et de rentrer à la maison. Pourquoi? On s'en fout de Harker. C'est un grand lac. Il y a assez de place pour tout le monde pour aller pêcher. Oui, oui. Et puis, tu sais, il n'a pas ton sixième sens pour ce type de recherche. Ton... Esprit. Charisme. Coup d'œil. Ton incroyable don pour la danse. Allez, on reste. Baïché, on y va. D'accord. Waouh. Où est-ce que tu vas? Dites, vous comptez me suivre partout où j'irai? Ils vous prennent pour un journaliste étranger en quête de scoop. Non, non, non. Je viens pour empêcher de nouvelles attaques. Il croit que c'est un fantôme ou un démon. Il veut savoir si vous tuez les démons. Dites-lui que je ne suis pas ici pour tuer. Je veux juste savoir où est le gars qui a tourné cette vidéo. Comment vous faites pour séparer le mythe de la réalité? En fin de compte, toutes les bêtes mythiques ont été inventées à partir de bases scientifiques. Du coup, on garde l'esprit ouvert et on n'arrête jamais de chercher. Et depuis quand vous faites ça? Depuis que je travaille dans un bureau non climatisé, sans fauteuil ergonomique et pressing. 4 ans environ. Vous aimez travailler dans ces conditions? Je serais folle de me plaindre. Depuis quand êtes-vous avocat? Oh, ça doit faire 8 ans. Et vous aimez vraiment ça? Qu'est-ce que c'est? Vous avez vu? Il y a quelque chose qui fait peur aux poissons. Hé! Oh, mais regardez! Doug! J'ai attrapé un poisson! Doug, dépêchez-vous! Revenez! Vite, courez! Doug! Revenez! Vite! Sautez! Sautez si vous pouvez! Vite! Li Jianyu, Travis Preston. Demandez-lui s'il peut me parler de l'enregistrement. Que voulez-vous savoir exactement? Oh. C'est vous qui avez filmé la créature? C'est exact. Génial. Je ne peux rien pour vous, j'en ai peur. Dites-moi où vous l'avez filmé, rien d'autre. Comment vous savez que ce n'est pas un faux? De quoi parlez-vous? Vous n'avez rien demandé. Vous affirmez des choses et ne pensez qu'à vos propres besoins. Je tiens à vous assurer que je viens vous aider. Mais aider qui, exactement? Désolé, je ne peux rien pour vous. Ça s'est bien passé? D'accord. Oui. C'est McConnell. Il veut qu'on aille à la morgue tout de suite. Alors en route.
Salut les gars. Salut. Salut. On t'a parlé de notre visiteur. Oui, vous allez bien? Oui. Oui, on va bien. Mais c'est pas passé loin. C'est vrai. Vous me raconterez les détails plus tard. Où est Doug? Il est là. Je vous poserai le coup, ça le prendra non, 2 minutes. Non, écoutez, je ne peux pas. Non, d'accord, mais on est... C'est très important, s'il vous plaît. Désolé, non, vraiment, je ne peux rien faire pour vous. Il n'y a rien eu à faire. C'est impossible. Ils attendent ce nouveau pathologiste en vogue qui doit arriver. Tu as étudié l'anatomie? La pathologie animale? J'ai aussi fait un semestre sur l'étude des primates, mais c'était... Ça suffira. Quoi? Brandon. Tu te fiches de moi? Oh non, pas du tout. Vous m'attendiez? Bonjour, Docteur Liu? Ah, oui, c'est bien moi. Je peux voir le corps, s'il vous plaît? Oh, oui, bien sûr, tout c'est... Est... celui-là? Exactement. Allez-y, entrez. Ils vont m'assister. Je suis supposé faire quoi? Coupe. Faites-moi voir ça. Cette fois, on tient une preuve tangible de l'existence d'une nouvelle espèce. McConnell, je vais vous embrasser. Oh. Enfin, peut-être plus tard. Oh, Doug, ça va aller? Ce qui a attaqué le ponton, ça faisait combien? 4 mètres? Au moins 4 mètres, peut-être plus. C'est ma preuve que vous avez là. Vous dépassez les bornes. C'est une scène de crime public, Carker. Et c'est moi qui ai trouvé le corps. Rendez-moi ce que vous avez tout de suite. Sinon quoi? Vous allez faire quoi, hein? Vous allez encore m'attaquer pour une chose dont vous êtes coupable? Si j'avais pas canardé cette ours avec mon flingue, on aurait peut-être tous fini comme ce gosse. Vous voyez, le type qui est allongé sur cette planche là-dedans, c'est pour ça qu'on a besoin d'un pro comme moi. Et pas d'un amateur comme vous. Vous vous moquez pas mal de ce gars, et c'était pareil pour Scott. C'est vrai, Travis, j'en ai rien à faire. Un lion se fiche pas mal des moutons. J'ai promis d'avoir des résultats et j'en aurai. Et vous voulez la vérité? C'est l'animal le plus faible qui meurt d'abord. Scott est mort parce qu'il était faible. Ça vous plaît peut-être pas, mais... Il n'y a que des chasseurs et des proies. Dans la nature, il faut savoir se défendre bec et ongles. Non, stop! C'est pas en gardant un livre de citations sur sa table de chevet qu'on devient philosophe. Allez, on y va. Viens. Hé, hey, Travis. Mon frère travaillait sur le chantier de construction. Quand les ennuis ont commencé, il m'a appelé à Shanghai. Il était vraiment très inquiet. Quelques jours plus tard, il y a eu une autre attaque et... il a été tué. Toutes mes condoléances. D'après eux, c'était un accident industriel. Mais j'ai senti qu'on ne nous disait pas tout. Je sais qu'ils veulent éviter qu'on panique. Je suis revenu ici. J'ai longtemps attendu. Jusqu'au jour où, enfin, je l'ai filmé. Je peux savoir ce qui vous a fait changer d'avis? Après votre départ, j'ai eu un autre visiteur. Un monsieur Harker. Il m'a tout de suite proposé une grosse somme d'argent. Il n'y a qu'un genre d'homme qui pense que tout le monde est à vendre. Le genre d'homme que je n'aime pas. Nous vous sommes très reconnaissants pour votre aide. Bien. Vous pouvez me conduire là où vous l'avez vu? Il est arrivé par là, de derrière cette colline. Il était vraiment très rapide. Il faisait quelle taille? Plus gros qu'une voiture. Deux fois plus gros. Et il s'est enfui par là. Ici. Jianyu, attendez. Oh. C'est incroyable. Oh. Ah. Baishi.
Vous imaginez la force qu'il faut pour écraser ça? Regardez! Donnez-moi l'appareil photo. Baishi, vite! Non. Mais je l'aurai. Il y a un problème? Il y a eu une autre attaque. Les hommes sont terrifiés. On est sous pression, là, Harker. T'as qu'à régler ça? Justement, j'essaie. Mais vous aviez promis d'empêcher ces attaques. T'as déjà senti un lion respirer sur ton visage? Ou vu un rhinocéros en train de charger? Et toi, le doigt sur la détente, tu sais que t'as pas le droit de te louper. Tout ce que je dis, c'est qu'il faut montrer qu'on progresse. Avant que je débarque ici, il n'y avait pas un animal que j'avais pas chassé et tué. Tu sais ce que ça me faisait? Non. Ça m'emmerdait. Y a rien d'excitant à tuer deux fois un lion. Ma nièce de 6 ans aurait pu filmer ça. Mais elle a ses petites exigences. S'il n'y a aucune reconnaissance, ça sert à rien. T'as des petites exigences, Fry? Écoute, c'est un grand lac. On peut essayer la viande fraîche, de marquer l'animal. Non, on le marquera pas. Si j'ai un angle, je tire. C'est pas votre job. Pardon? J'ai dit, on sait pas de quoi il s'agit. C'est un caïman, un simple croco d'eau douce. J'ai vu le rapport d'autopsie, j'en suis pas si sûre. Oui, mais quoi que ce soit, on n'est pas plus avancé dans nos recherches qu'on l'était il y a 2 semaines. J'ai trouvé de drôles de molécules dans l'eau du lac. Vous savez où il est, alors? Non. Alors j'en ai rien à faire de vos drôles de molécules. Des résultats. C'est ce que j'ai promis et c'est ce que j'attends de vous. C'est bien compris? Parfait. Tenez. Xiexie. Brandon, c'est pas vrai. La plus grande découverte de l'histoire de la zoologie est quelque part par là. Et toi, tu n'arrives pas à te décrocher de ça. Travis, s'il te plaît, je vais réussir à passer au 10e niveau. Baishi, expliquez-lui. Tu n'y arriveras pas. Tu n'as pas assez d'énergie pour atteindre le niveau suivant, et tes armes sont vraiment trop nulles. Oh, cool! Alors, vous vouliez devenir des scientifiques quand vous étiez petit? Allez, Travis, raconte-lui comment tout a commencé. Vous voulez savoir? Oui. D'accord. Eh bien, quand j'avais 12 ans, on est parti faire du camping en famille à Tacoma. Un matin, je me lève de bonne heure, j'avais très envie d'aller aux toilettes. Comme on faisait du camping, je suis allé dans les bois. Et donc, me voilà parti faire mes petites affaires. Quand soudain, j'ai comme l'impression étrange que quelqu'un m'observe. J'ai vraiment eu très peur. J'ai remonté mon pantalon, je me suis retourné et il était juste là. Il me regardait. Il était bien plus grand que moi. Plus noir que la nuit et recouvert de fourrure. C'était un ours? Non, il était debout comme un humain. Il avait le visage tout plat, des yeux perçants. Je savais que je regardais une chose qui n'était pas censée exister. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Il a rebaissé son froc. Oui, pratiquement. Ma mère a tenté de me convaincre que j'étais somnambule, mais je savais ce que j'avais vu. Le Yeti, ou le Irène, peu importe comment on l'appelle. Aujourd'hui, 25 ans plus tard, je crois que je cherche encore. Travis! Il y a eu une autre attaque. C'est pas possible, Doug, il nous faut vraiment un accès. Ils ne te laisseront jamais y mettre les pieds. Quoi? Il peut vous faire entrer? Qui ça, lui? Ok, tu restes derrière moi.
Vous n'êtes pas au bon endroit. C'est quoi, un fusil tranquillisant? Oui. Ah, vous comptez m'endormir avec ça? Peut-être bien. Alors, comment ça avance, vos recherches? Tout va très bien. C'est super. D'après mon expérience avec Harker, il a tendance à ne pas voir les évidences. En particulier, ce qui se trouve devant lui. Comme les petites traces sur lesquelles vous alliez marcher. De quoi vous parlez? Je ne vois rien. Vraiment? Regardez, le sol est gorgé d'eau. Les pieds s'enfoncent dans la boue. En se retirant, ils laissent une empreinte partielle, cachée. La créature est sortie de l'eau ici. Elle a tué ses victimes sur Terre, mais ce n'était pas pour manger. C'est un comportement agressif. Elle défend son territoire. Regardez, sa queue a fait une marque. Vous croyez que c'est un crocodile? J'en sais rien. Mais on est sûr qu'il est balèze, qu'il se faufile vite et qu'il est malin. Écoutez, rendez-vous service. Ne restez pas trop près de Harker, surtout si vous voulez voir cette chose en vie. Vous êtes sûr que vous réussirez à le sauver? Je ferai tout ce que je pourrai. Et si on allait se prendre une bière un de ces jours, on pourrait échanger d'autres infos? Je ne bois pas d'alcool, Dr. Preston. Vous pouvez y aller maintenant. Ouais, ça vaut mieux. À bientôt. Tu vas bien? Ouais, t'inquiète, je vais bien. Harker devrait pas te parler comme ça. Tu bosses comme une folle. T'en fais pas pour moi. Je suis assez grande pour me défendre. Ouais, je sais. Mais s'il s'en prend encore à moi, il pourra me dire adieu. Dès que j'ai une bonne image, je la poste sur Internet. Et là, cette fois, il aura plus qu'à se mettre. Je comprends vos inquiétudes. Non, je vous l'ai dit, c'est imminent, je vous assure. Je vous appelle quand c'est fait. Café. Mm-hmm. Oui. Oui, oui, c'est bien ça. Écoutez, j'ai renoncé à mes honoraires, mais je fais de mon mieux. D'accord, au revoir. Si ce croco est aussi balèze que tu le dis, on doit trouver où il va se faire bronzer. Il a eu à manger, c'est un animal ectotherme, il peut faire profil bas pendant des semaines. Les prédateurs comprennent les prédateurs. L'instinct du chasseur. Monsieur Harker, il faut que je vous parle à propos de Travis. De Travis? Oui. Si cet animal est unique, il devrait rester en vie, on pourrait l'étudier... Mademoiselle Zeng. Mademoiselle Zeng, quelle relation entretenez-vous exactement avec le docteur Preston? C'est un professionnel, je le respecte. Les humains sont les seuls animaux à mentir, vous le saviez? Pourquoi, d'après vous? Je ne sais pas. Simplement parce que le mensonge est un mécanisme de survie évolué. Bien sûr, implicitement, si on a envie de survivre, c'est qu'on ressent une menace. Vous vous sentez menacée, Mademoiselle Zeng? Non. Bien. Alors fichez le camp, allez sur ce bateau, emmenez Fry et trouvez où cet ectotherme va se dorer la pilule. Docteur Zeng, amusez-vous bien. Oh.
Vous n'avez pas l'habitude de la vie à la dure. Eh bien... Quoi? Ma vision de la vie à la dure n'est pas exactement la même que la vôtre, c'est tout. On ne devrait pas attendre une nuit plus claire? Non, ça serait pas amusant. Et puis, dans le noir, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Alors, on a quelque chose? Non. Je ne vois rien. Rien de surprenant par ici, que des petits murmures. Un bruit non identifié avait en fait été émis par Cathy. Hé ah, hey. D'accord, les gars. On se remet au boulot. Ouais. On n'attrapera rien si on reste planté là toute la nuit. J'espère que vous ne parliez pas de moi. Je ne suis pas très fan des bateaux. Oh, mais si, vous allez adorer. Oh oui, vous allez adorer. Brandon, on est bon? Oui. D'accord. McConnell, rendez-vous utile. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est un sonar combo doté d'un système d'échantillonnage. Ça sert à analyser la composition de l'eau et à examiner les reliefs marins. Avec un peu de chance, ça nous aidera à trouver notre petit copain. C'est bon, on peut y aller. Ce lac est très profond. Les contre-courants sont forts, presque 7 nœuds. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comme dans toutes les bonnes parties de pêche, on attend. Attendez, je crois que j'ai quelque chose. Ça vient vers nous. 300 mètres. Ça arrive vite. 200 mètres. 100 mètres. On vous dérange pas? Il y en a qui essaient de travailler ici. Si j'ai bien compris ce que vous faites là, vous vous trouvez encore au mauvais endroit, docteur Preston? Ouh, joli matos. La machine expresso est livrée avec? Gâche pas ta pellicule. Oh non, surtout pas, pas avec nous, pauvres amateurs. Alors où est Harker? Il polit son canon? Hé, il y a quelque chose en dessous. Juste en dessous de nous. Sors la caméra, imbécile. Si tu le rates, je te tue. Ouais, ça va, j'ai entendu. Tu le vois? Non, je vois rien du tout. Il sort de l'eau! Dans quelle direction? Brandon, il nous faut des infos! Il va replonger, vite! Ici, vite! Ah oh non! Vite! Dépêchez-vous! Nagez! Nagez! Dépêchez-vous, allez! Allez! Allez, nagez! Nagez vers l'eau! Sortez de l'eau! Aidez-moi! Je sais pas nager! Allez, allez! Qu'est-ce que c'est? Y'a pas de gilet de sauvetage sur ce bateau à la cour McConnell! Sortez-moi de l'eau! Allez, on se dépêche! Il revient par là, vite! Où est-ce qu'il est, Brandon? Il est là! Il fonce droit sur nous! Vous devriez voir quelque chose! Allez, là! Allez! Ouais, nagez! Allez, par ici, par ici! Par ici! Il est là! Non! Aidez-moi! Faut se tirer! Il faut l'aider! Où est-ce que vous allez? Oh, allez, là, nagez! Revenez! Vite! Revenez! Ils l'ont poussé par-dessus bord! Travis! Il est complètement fou! Sortez de l'eau, dépêchez-vous! Vite, faites demi-tour! Oh mon Dieu! Encore un peu, allez! Dépêche-toi! Faut les tirer! Vite, vite, vite! Au secours! Non, Travis, reviens, reviens! Dépêche-toi! Je reviens! Allez, Travis, monte sur le bateau! Où est-ce qu'il est parti?
Je crois qu'il vaut mieux partir avant de le savoir. Oh, fiche-le-t'en ! Il revient ! Travis ! Ok, accrochez-vous. Ça risque de pas mal secouer. Oui, ça va. Il a eu Fry. Non, Fry ? Pauvre petit. Et l'âne ? J'en sais rien. Elle était dans l'eau. Il est énorme. Jamais vu un truc pareil. Ça a dû être vraiment effrayant. Fry a disparu. Tu crois que je suis en pétard pour Fry et l'âne ? On leur trouvera des remplaçants dès demain. Ce qui me met en boule, c'est que t'es passé à côté de notre chance. T'aurais dû me contacter immédiatement. J'essayais de sauver Fry. T'es un menteur, un lâche et un bon à rien. Je suis désolé. Sois pas désolé. Fais mieux que ça. Tenez, Doug, mettez ça. Ça vous tiendra chaud. Non, attends. Accorde-lui une minute. Aishi, vous avez froid. Merci. Tout va bien ? Il est sûr que c'était un démon. Harker a peut-être raison. Vous avez vu ce qui s'est passé ? Il a tué ce pauvre homme. Ça nous permettrait de sauver des vies. Je croyais qu'on était tombés d'accord. On est ici pour capturer et protéger cette créature. Mais à quel prix ? Non, je préfère rentrer au village. Là-bas, au moins, je ne risque pas de me faire arracher la tête. Vous avez raison, Doug. Il faut qu'on sauve des vies. Mais ce dont vous parlez, là, c'est de vengeance. Tout ce que Harker veut, c'est la gloire. Ce n'est pas le diable, ça n'est pas un démon. Ce n'est qu'un animal. Nous n'avons absolument aucune raison de tuer cette chose. On vaut mieux que ça, non ? Si on peut le sauver et le protéger, alors pensez un peu à tout ce qu'on pourra apprendre de lui. Vous avez été super ce soir, Doug. Vraiment. En particulier pour un avocat. Vous avez eu beaucoup de courage. Tous autant que vous êtes. Et je ne voudrais pas être ici avec qui que ce soit d'autre. Et si on peut continuer à avancer en équipe, on réussira à l'avoir. Ça, je peux vous l'assurer. Oh, désolé, j'avais oublié, vous ne buvez pas. Je suis navré pour votre ami. Ils nous ont tout simplement abandonnés. La cryptozoologie. La recherche d'espèces en voie d'extinction. J'adore ça. C'est cool. Allez-y doucement, Alan. Puis je vous ai rencontré. Je me suis presque fait dévorer.
Hey, Doug! Il va nous falloir un autre bateau. D'accord, je m'en occupe. Il faut que je te parle. Il y a un problème? Eh bien, tu as vu cette chose hier soir. Elle faisait dans les quoi? 5, 6 mètres minimum? Peut-être 4 tonnes, 4 tonnes 5. Je m'inquiète. À propos de la cage et des flèches tranquillisantes. Si on n'arrive pas à transpercer la peau, on ne pourra pas l'assommer. Et si on ne l'assomme pas, je ne pense pas qu'on pourra la ramener vivante. Sauf que si on ne bouge pas, Harker fera tout pour nous empêcher d'y arriver. Tu peux être sûr de ça. Exactement. Donc tu as une idée? Hé! Hey, faut que vous écoutiez ça! Je l'ai trafiqué. Vous allez entendre. Vous allez en avoir besoin plus que moi. Merci. Avant qu'ils se décident à jouer avec nos nerfs, l'hydrophone avait remonté des infos. Waouh. Qu'est-ce qu'on entend? On dirait le chant d'une baleine. Elle se sert de l'écholocalisation. Tu as raison. Vous entendez ça? Les engins de chantier. L'animal ressent les sons. Quoi, il perçoit les activités sismiques, c'est ça que cette créature ressent? Exactement. Et il est aussi réactif sur Terre que dans l'eau. Il faut vraiment qu'on en sache plus sur son territoire. On a étudié tous les environnements, absolument tous. Vous avez fait un genre d'enquête environnementale? Mm-hmm. Oh, c'est pas vrai! Il nous faut ces infos! N'y songez même pas. Harker les garde précieusement dans nos bureaux. Il faut qu'on y aille, ce soir. On n'y arrivera pas. Impossible. Ah ouais, impossible. Eh bien, c'est ce que je sais faire de mieux. C'est pas une bonne idée. Courir comme ça, dans le noir. En particulier avec un prédateur qui pourrait être n'importe où. Ok, d'accord. Là, on y va. Allez. Attention. Regardez pas en bas. Oui, d'accord. Et maintenant, suivez-moi. Par ici. J'en sais rien, ça dépend du boss. Deux verrous. Pourquoi il a besoin de deux verrous? Je jette juste un petit coup d'œil. Mais on n'a pas le temps. D'accord, mais on ne peut pas y aller. Ce que j'aime chez les animaux, et ce qui les rend si faciles à chasser, c'est qu'ils sont prévisibles. On appelle ça l'éthologie. Et vous, Preston, vous êtes si prévisible. Vous êtes un charognard. Un rat. Vous me décevez, Mademoiselle Zeng. Surtout après notre petite discussion. Votre place est avec Travis. Donc, j'ai bien réfléchi. Si on retrouvait vos cadavres criblés de balles, les gens commenceraient à se poser des questions. Mais si tous vos membres étaient arrachés par une créature sauvage que je tuerais dans un élan courageux, mais malheureusement vain pour sauver vos vies, alors... Ça serait bien mieux, vous ne pensez pas? Qu'est-ce qui va pas chez vous, Harker? Vous avez pas les idées claires. Vous êtes diabolique. Diabolique? Est-ce qu'un léopard est diabolique quand il tue un buffle? Entre vous et moi, Travis, j'applique simplement la loi du plus fort. Et Charles Darwin aura eu raison de vous. En route.
cette fois, je crois qu'on peut dire qu'il a pété les plombs. Vous avez fait quoi pour le mettre dans cet état? J'ai le chic pour faire ça. Je dirais que vous avez un don. Oh, mais j'en ai beaucoup d'autres. Je vous le jure. Vous résistez bien à la douleur? Quoi? Vous allez vous brûler avant que le plastique ne fonde. Je veux pas le faire fondre, juste l'étirer. C'est bien, mais on fait quoi maintenant? On improvise. Allez, reculez. Suivez-moi. Non, pas si vite. Non. Aidez-moi. Grâce à Jenyu, on a trouvé du matériel. Bon sang, c'est un expert du troc. Bon, ce n'est pas du matériel de pointe, mais on va faire avec. À quoi ça va servir? Travis a eu une idée de cinglé. Un genre d'épouvantail acoustique. Oui, je me suis dit que si on utilisait les mêmes fréquences d'écholocalisation que la créature et qu'on les amplifiait, ça pourrait lui faire peur. Ouais. Dès que j'en aurai fini avec ce bébé, on aura le plus délirant et le plus puissant des hydrophones qu'on ait jamais vu. D'accord, on a donc 50 hectares de lac. Cette chose peut être n'importe où. On aurait vraiment besoin de ce... Dossier. Est-ce que c'est bien ce que je crois? J'ai entendu parler de votre première tentative. Et je dirais simplement qu'il existe d'autres formes de persuasion. Doug McConnell. Bien joué. Merci. Waouh, sympa. Toute la région est truffée de cavernes et de tunnels. C'est pour ça que le sonar ne l'a jamais repéré. Il restait planqué. Le résidu jaune qu'on a trouvé sur les lieux, c'était de l'aragonite. Aragonite. C'est un minerai qu'on trouve dans les mollusques, dans les coraux et dans les grottes. Je parie que c'est là qu'on le trouvera. C'est parti, on y va. Anwu, tu nous as beaucoup aidés, mais on a vu de quoi il était capable et... Je ne peux pas prendre ce genre de risque. Chéché. C'est bon? C'est bon, on y va. Brandon? C'est presque fini.
Ce truc est pratiquement par balle. Comment cette aiguille va transpercer sa peau? Il faut qu'on tire à l'intérieur. L'intérieur? Vous comptez vous approcher à quelle distance? Il y a quelque chose qui s'approche, à 500 mètres. Dépêche, mon pote, qu'est-ce qui se passe? 300 mètres. Brandon! Je crois que c'est bon. Tu crois que c'est bon? Il est là! Allez, qu'est-ce qui se passe? Oh non! Oh non, quoi? À 100 mètres! J'ai dû oublier de raccorder le solénoïde. Alors remonte-le et répare ça sur le champ! Attention, il arrive! Donne-moi ça. Accrochez-vous! Doug, le kit de secours! Faites-lui un garrot! Tout de suite! C'est bon, je vais survivre! Brandon! Mais où est-ce qu'il est allé? Vous le voyez? Appuyez sur le bouton! Non, pour l'instant, ça va. Il a raison, faut que t'ailles à l'hôpital. Écoute, c'est notre dernière chance, Travis. La laisse pas passer. C'est moi qui le tue, compris? Vous tirez pour le blesser, je tire pour le tuer. Je les vois. Là-bas, à 11h. Accrochez-vous. Là. Dans cette grotte? Oui, juste là. Appuie-toi sur moi. Je vais t'aider. Merci. Attention au serpent. Si je te laisse ici avec Janu et McConnell, tu réussiras à gérer la cage? Bien sûr. Comme au mécano.
Je suis plutôt bon au mécano, vous savez. Oui, je n'en doute pas. Vous êtes sûr que ce sera assez grand? Sans problème. Vous avez déjà fait ça? Ah oui, bien sûr, oui, je m'en sers tout le temps. Dès que je suis en mer et que j'ai besoin de transporter de gros animaux. Des monstres, ce genre de choses. Ça va aller, votre jambe? Oui. Vous en êtes sûr? Allez-y. Vous arrivez trop tard, Harker. On contrôle la situation. Ouais, je vois ça, très impressionnant. Harker! Il y a eu beaucoup d'accidents industriels dans le coin récemment. J'espère que vous ne serez pas le suivant. Ah, c'est absolument grotesque. Vous ne pouvez pas nous menacer! Vous êtes malade? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? On se détend. Vous inquiétez pas, ce sera bientôt fini. On pourrait ouvrir un spa par ici. On se fera une fortune. Regardez, des cheminées naturelles pour que la grotte ne devienne pas toxique. C'est parfait. C'est tout simplement incroyable. Bon, tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est de trouver un moyen de le faire sortir. Je crois que ce sera pas un problème. On a affaire à quelque chose de complètement nouveau. Quelque chose entre le reptile et l'amphibien, une toute nouvelle espèce. Regardez, il est endormi. Et maintenant ?
Je vais bien. Ça va. Brandon! Oui? Incroyable. Les tranquillisants vont faire effet combien de temps? Sûrement quelques heures. Un jeu d'enfant. Bravo! Oh, pitié, dites-moi que c'est une blague. Joli travail, Travis. Faites pas ça, Harker. Vous appelez ça chasser? C'est une exécution. C'est pas une exécution. C'est un résultat. Qu'est-ce que vous trouvez de glorifiant là-dedans? Vous n'êtes qu'un lâche, Harker. La réalité réside dans la perception, Travis. Quand je sortirai ce truc-là, je serai le héros et vous serez mort. Harker, allez poser cette arme et réfléchissez un instant! Cet animal est inconscient, on peut encore le sortir d'ici vivant. Il n'est pas obligé de mourir. Tout doit mourir un jour, même vous. Vous devriez être honoré que ce soit moi qui appuie sur la détente. Vous avez raison, Harker. À propos de quoi? L'être humain est le seul animal capable de mentir, et vous êtes le pire de tous. Un hypocrite! Je me sers de tous les avantages que j'ai, c'est pour ça que je suis ici. Et que vous n'êtes rien. Non, Harker! Tout ce que vous faites, c'est parler. Vous n'êtes pas un lion, vous êtes un petit mouton. Un petit mouton qui fait bla 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 bla... Bouge pas! Ce n'est que son bébé. Quoi? Il est trop petit! C'est pas lui qui a attaqué notre bateau! Quoi? C'est un bébé? Il ne protège pas simplement sa maison, il protège ses bébés aussi! Attendez, attendez!
Poussez-vous! Poussez-vous! Laissez-moi entrer! Non! Laissez-moi non. entrer! Laissez-moi entrer! Chut. Chut. On n'a pas de temps pour ça! Je veux cette créature. Croyez-moi, elle va arriver. J'ai fait quelques ajustements. Qu'est-ce que vous en dites? Vous n'êtes qu'un enfoiré! Pitié, ne faites pas ça! Dépêchez-vous! Attendez! Joli sauvetage. Maintenant, on est tous pris au piège. Je fais de mon mieux. Tout le monde va bien? Oui. Thank you.
T'en as mis du temps, mon pote. Ça va? Et la créature? On l'a eu. Ah! Elle est dans la cage. Comment elle s'en sort? Bien. Aucun traumatisme lié au changement d'endroit. Ah, elle est superbe. Oui. Salut. Ni hao. Oh, ni hao. Ni hao. J'adore son nom, mec. Salamandra Janu Rex. Eh bien, c'est la coutume de donner le nom de la personne qui a fait la découverte, alors... Et puis comme ça, ça vous rendra hommage à toi et à ton frère. Merci. Et peut-être que les événements du passé serviront un but plus grand. Oui, je l'espère. Je vais te faire visiter. Ah. Et ce cher Harker, tu as des nouvelles? Non. Ils ont fouillé la grotte, rien. Il s'est évanoui dans la nature. Venant d'un type comme Harker, ça ne me surprend pas. Mm. Ouais, mon pote, ce gars, c'est un cafard géant. Répète-moi ça. Qu'est-ce que je peux dire, Doug? Vous avez fait ce qu'il fallait. Je suis impressionné. Oui, les autorités se sont laissées convaincre qu'un projet pour l'environnement serait une bonne chose pour la Chine. Mm-hmm. Mon client désire... Non, 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 attendez, attendez, attendez. On verra jamais ce type? C'est pas croyable. On n'aura même pas droit à une petite rencontre. Oui, d'accord. Eh bien, en fait, mon client... Attendez. C'était vous? C'était vous, le client? Sérieux? Doug, mon cher, vous avez de gros problèmes de confiance en vous. T'étais au courant, toi? Quoi? Parle-leur des autres signalements. Ah oui, on aurait vu un repen en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Un repen? C'est quoi, ça? Une créature ailée. De la taille d'un petit avion. On suppose qu'il est de la famille des ptérosaures. Où est-ce qu'on l'aurait vu? Apparemment aux abords. Donc, du... on prend un avion pour Jackson International et on enchaîne avec un trek de 4 jours. Eh bien, voilà un super plan. Bien, Doug, voilà de quoi on va avoir besoin. 2 4 4, un accès à un hélicoptère et à son pilote. Vous pouvez m'avoir ça?